monsieur Ferguson. Je vous promets que les travaux que vous avez commandés seront terminés en temps utile. Vous pouvez compter sur nous pour être satisfait. Parfait, je tiens à ce que ce travail soit terminé rapidement. Et quand je dis rapidement, ça veut dire tout de suite. Oh, mais alors là, dans ce cas, ça change tout. Je prends tout en main, vous pouvez être rassuré. Ce n'est pas la peine de me faire ce cinéma grotesque. Je sais très bien que ce n'est pas vous qui ferez le travail. Et ce n'est pas la peine de faire semblant de me menacer. Faites ce travail le plus vite possible. Et si je suis satisfait, il y aura un petit bonus pour tous les deux. Tous les deux. Et voilà, c'est terminé comme prévu, monsieur le patron vénéré. Parfait, parfait. Et si les travaux sont achevés dans les délais qu'on nous a imposés, il peut même y avoir un bonus encore plus conséquent. Bah, excusez-moi. Oui. Attention, n'oubliez pas que le bonus doit être partagé entre votre souffre-douleur et vous cette fois-ci. Oui. Et comme je disais, il est évident que vous avez bien mérité un bonus cette fois-ci. Un bonus pour moi? Ça alors, c'est Blondie qui va être contente. Et juste au moment où c'est notre... Je sais que c'est le premier bonus que vous avez gagné en 18 ans de présence, mais ça n'est pas une raison pour vous mettre dans un tel état. Je sais, c'est plus fort que moi, c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Et alors, un anniversaire, c'est comme un mal de dent si on n'y fait pas attention. Il finit par disparaître. Je regrette, mais je suis obligé de vous demander une journée de congé. Et pourquoi vous voulez prendre votre journée? C'est grotesque. Je ne peux pas laisser Blondie toute seule, voyons. La laisser toute seule? Mais ça fait des années que je veux laisser une femme seule, et c'est elle qui m'en empêche. Oh, quand on ne trouve rien de bien particulier, il faut voir grand. Oh, ça c'est quelque chose. Comment je pourrais m'offrir cette merveille? Oh, une minute. Il y a un bon petit bonus à la clé pour vous dans cette affaire. Comment voulez-vous payer, monsieur? Avec une carte. Grâce à mon petit bonus, je pourrai tout payer dès que j'aurai reçu ma paye. Ce n'est pas un problème. Nous rentrons d'un séminaire qui s'appelait « Comment passer un moment agréable avec son mari ». Oh, c'est possible. Ce qu'il me faudrait, c'est trouver un mari agréable avec qui passer un moment. Oh, Cora, arrêtez-vous. Attendez, j'accroche mon manteau et... Cora. C'est pas possible, je rêve. Quelqu'un a dévalisé un magasin, regardez-moi ça. Oh, je ne comprends pas. Et c'est pourtant facile. Joyeux anniversaire de mariage, chérie. Joyeux anniversaire? Mais notre anniversaire n'est que dans une semaine. Oh, je sais, je sais. Oh, mon chéri, je t'adore. Oh, ce que je suis distrait. Oh, oh, gros amour. Oh, oh, c'est ce qui peut arriver de plus beau à une femme après avoir regardé le chèque à son nom. Qu'est-ce que c'était, ce vacarme? Certainement quelque chose qui a dû tomber. Pas exactement, non. C'est papa. Cookie, Alexandre, venez, venez. On va passer des moments agréables ensemble. Oh, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez commencer par m'aider à réparer les dégâts. Oh, génial. D'accord. Oh, chérie, regarde. Notre vieil album de photos. Toute notre jeunesse. Déjà fini? Tu étais superbe! Ah oui, alors. Papa, toi, t'as l'air d'un clown. Oh. Oh, mais c'est pas la peine de me flatter. Notre premier pique-nique avec vous. Ah oui, c'est vrai. Mais dis donc, maman, qui sont ces gens avec les casques? Des pompiers. On a mis le feu à tout le quartier ce jour-là. On regarde notre premier grand dîner. Oh, mais ce ne sont pas encore les... Encore les pompiers, oui. Ils sont passés voir si j'avais l'intention de faire du feu. Et, mais où sont passées les photos du mariage? Oh, je garde tout ce qui concerne notre mariage dans un placard. Zizi. Pour ranger, on peut compter sur vous, les enfants.
mais ça vient de me donner une idée. Blondie, est-ce que tu es prête à me faire l'honneur de te remarquer avec moi le jour de notre anniversaire? C'est pas ça, maman. Trouve ça plutôt un riche héritier. Alexandre, les enfants. Mais absolument, je suis prête à me remarier avec toi. Oh, bah, eh bien, j'ai l'impression que ça va pas être de notre âge. Oh, mais attends encore une seconde. Il n'y a pas de seconde, quoi. Parfait. Nous allons donc nous marier mercredi prochain à 2h, comme la première fois. Notre anniversaire de mariage, c'est jeudi prochain, mon chéri. Et il ne faut pas faire de folie trop froid. Est-ce que tu considères cette petite babiole comme une folie? Alors, il est temps que tu vois ce que ton maître fait pour vivre. Attention! Est-ce que je pourrais avoir un sandwich pour les heures creuses, œufs, fromage, et vous m'apporterez un peu de mayonnaise, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je vais manger léger. Ah, ben ça va aller mieux. Allez, viens, Daisy, on se met au travail. Allez, suis-moi. Vous êtes remarquablement adroit avec ce chalumeau. Comment vous appelez ce que vous venez de faire? C'est un trou. Très bien, c'est un trou. Oh, oh, mais c'est normal, on voit à travers, c'est donc un trou, n'est-ce pas? Attention, River. Superbe travail avec les rivets. Ah, oh, oh, mais que... Ah, et bien tu pourras toujours dire autour de toi que je m'attache à mon travail, moi. De faire ta gymnastique. Oh, bonjour, Willan. Ah, bonjour, Cookie. Je me suis dit qu'on pourrait travailler notre géométrie tous les deux. Quoi? Eh bien, est-ce que tu veux un peu de mon sirop de... Oh, 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 je suis désolé. Mariage maintenant. Oh, mais tu as bien dit au oh, oh, mariage. Oui, j'ai dit au mariage. Non, mais ça va pas aujourd'hui ou quoi? Mais tu trouves pas que c'est un peu rapide, non? Oh, Willard, faut vraiment te faire soigner. Oh. Et voilà, chérie, encore toute une journée où tout s'est bien passé. Oh, je suis merveilleusement fière de toi, mon chéri. Oh, rien ne pourra m'empêcher d'assister à la cérémonie jeudi prochain. C'est aussi simple que ça. Oh. Et allô? C'est vous, je vous ai reconnu. Tiens, bonjour patron, voilà une surprise. Faites-moi une en accélérant la construction de la tour Ferguson, vous entendez? Cet imbécile m'a imposé jeudi comme date limite. Ah, excusez-moi patron, mais il n'est pas possible de terminer les travaux pour jeudi. Et puis d'ailleurs, jeudi, c'est le jour où je me marie. Si les travaux ne sont pas finis à temps, transforme le mariage en funérailles. Pardon? Ferguson a dit, pas de tour terminée jeudi, pas de bonus. Et j'ai dit pas de bonus, donc vous au chômage. Je pourrais tout régler sans problème à la prochaine paye. Je vais peut-être être envoyé dans ces prisons modernes où ils ont des cours de tennis. Blondie! Il faut être lucide. Je ne peux pas faire les travaux dans un immeuble et organiser un mariage le même jour, à la même heure. Mais qu'est-ce que je vais faire? Allons, on peut peut-être faire les deux. Si nous réglons ce problème comme nous avons réglé les autres dans toute notre vie. Tu veux qu'on appelle les pompiers? Non, Alexandre. On va travailler en équipe. Papa va travailler sur les plans des Ferguson et moi je m'occupe du mariage. Eh bien moi je t'aiderai, maman.
Merci, chérie. Et mon ordinateur méga servo 2000 doit pouvoir nous faire gagner des temps. Tu vois, chérie, il y a toujours une solution à tout. Oh, c'est bien d'avoir une grande famille. Alexandre, tu es toujours avec moi? Pas de problème, papa. Fais bien attention maintenant. On nous a imposé un délai complètement fou. Mais cela dit, on a tout à fait le droit de rêver. Vas-y, envoie. 3000 verrous et vis. 200 000 litres de ciment à prise rapide. 2 km de fil de fer. C'est comme si c'était fait, papa. Alors, tu es prêt, Alexandre? D'accord. Quartier général à unité immobile, allez-y. Non, attends, Alexandre. Est-ce que j'ai assez de fleurs pour décorer la chapelle? Il faut que je décore 8 tables et il me faudra un grand bouquet pour moi. Wow! Négatif, chère madame. Il va vous falloir passer une nouvelle commande. Pardon? Je vérifie les prix sur le marché. Je te rappelle tout de suite, perroquet vert. Perroquet vert? Oh! Alors, Daisy, qu'est-ce que tu en penses? Ça commence enfin à ressembler à ce que j'avais dessiné sur mes plans. Oui, absolument, ton maître est un véritable génie. Asperge bleue, le meilleur traiteur de toute la ville. Ah oui, mais... Oh, quelqu'un de votre classe a droit à une réception exceptionnelle. Mais non, à notre premier mariage, on a eu des sardines à l'huile et du jus d'orange. Peut-être, mais je viens d'apprendre que votre mari allait toucher un bonus très intéressant. Et puis surtout, vous avez été une épouse et une mère formidable depuis le début de votre mariage. Il est tout à fait normal que vous ne vous refusiez rien aujourd'hui. Mais vous croyez? Attendez, je m'occupe de tout. Il nous faudrait une centaine de homards, 3 kilos de foie gras, 15 caisses de... Dépêchons les enfants, le temps c'est de l'argent. Déchargez-moi tout ça. Mais c'est pas du ciment, ça. Du ciment? Oui, bien sûr que non. C'est de la crème fouettée. De la crème fouettée? Pas bien sûr, hein. 200 000 livres, comme l'indique la bande savante. Et où est-ce que je mets le sucre glacé? Oh, le sucre glacé? Excusez-moi, mais on construit un immeuble. On ne fait pas un gâteau. J'aurais pas parié là-dessus. Ça, c'est curieux. Ça fait 3 fois que je vérifie tous les chiffres et à chaque fois, je trouve que le budget est dépassé. Qu'est-ce que c'est? Oh, on nous a demandé un bouquet que je trouve surprenant. Mais ben, vous l'avez commandé, alors... Et faites attention, quand vous le mettrez en place, ça vous pouvez être quelqu'un. C'est quoi ce bon de commande? La quittance de champagne et 3 caisses de chocolat. Ah! Bah, eh bien, il faut se faire une raison. Je vais être obligé de rapporter cette bague, hein? Attends! Oh, la bague! Daisy, j'ai perdu la bague! Oh là là! Encore une livraison? Oh! Oh, Cora! C'est vraiment la catastrophe. Je ne pourrai jamais être prête à temps. Ne vous inquiétez pas. C'est ridicule. D'après la tête que faisait Julius hier soir, votre mari ne terminera pas à temps, lui non plus. C'est vrai? Oh, attendez. Attendez. Ça me donne une petite idée. Vous allez voir.
Je sais que vous êtes essentiellement préoccupé par votre mariage, mais de là à mettre du sucre glacé au 10e étage. Eh bien. Quoi encore? C'est le cauchemar qui continue. Bonjour, chérie. Oh. Ah, bravo! Un camion plein de blondies. Cora m'a dit que tu ne pourrais jamais finir à temps pour aller à l'église, alors on a apporté l'église à toi. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font? Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Votre priorité, c'est l'immeuble de Ferguson. Pardon, je ne suis pas d'accord. Une priorité des priorités, c'est ma petite femme, ma merveilleuse femme, ma jolie blondie. Oh, oh. Attention à ce que vous faites. Attention à quoi exactement, Julius? Et attention à ne pas perdre ce romantisme si émouvant, n'est-ce pas, Macaille? Cette idée de remariage à leur âge, c'est quelque chose de merveilleux. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour réunir à nouveau ces deux êtres qui se sont aimés pendant de si longues années déjà sous nos yeux. S'il vous plaît, monsieur, vous devez avoir l'alliance. C'est-à-dire que je crois que j'ai perdu la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance? Mais quelle nouvelle alliance? Oh, attends, non, Cookie! Oh non, c'est Willard! Oh, Cookie, attends! Non, parce que je veux que... Oh, Willard! Pas de panique! Oh, d'accord, je sais que je peux faire mieux la prochaine fois. Et je t'ai dit de ne pas t'affoler. Oh, Willard, tu as trouvé l'alliance! C'est vrai? C'est vrai? Oh! Bravo, c'est bien! Ah, et merci, mon garçon! Tu nous as sauvé la vie! Je n'oublierai jamais! On peut continuer le mariage! Oh, Cookie, je t'en prie, ne te marie pas! Mais tu es fou! Je ne vais pas me marier! Ce sont mes parents qui ont décidé de se remarier! Mais tu... Quoi, ils sont... Ah, non, ce sont eux. Attends une petite seconde, s'il te plaît. Tu es venu jusqu'ici simplement pour m'empêcher de me marier? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oh, mon pauvre Willard. Pour un idiot, je te trouve plutôt fantastique. C'est vrai, tu trouves? Est-ce que quelqu'un a relevé le numéro du camion? Il est adorable. L'alliance, s'il vous plaît. L'alliance. L'alliance. Mais bien sûr, j'en ai pour une seconde. Quitte mon doigt désormais. Papa, maman, j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé. Ça m'étonnerait. Voilà, l'argent pour l'alliance et pour le mariage provient du même endroit. Le bonus de Ferguson. C'est ça. En résumé, tu l'as dépensé deux fois. Oh, c'est vrai? Et ils ont dépensé deux fois le bonus. C'est à hurler de rire. Quand Ferguson va savoir ça, il n'y aura pas de bonus du tout. N'ayez pas peur, ma pauvre blondie, parce que Julius ne veut pas faire de peine à votre mari. Et il va lui offrir un double bonus comme cadeau de mariage, n'est-ce pas, Julius? Absolument, bien entendu, je ne pense qu'à ça. Oh, sauf qui peut, c'est Ferguson. Vite, il faut que tu me casses, Cora. Il va voir. Attendez, monsieur Ferguson, je vais tout vous expliquer. Ça me ferait plaisir. C'est la faute de mon employé. Ah bon, c'est vrai? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? C'est le début d'une nouvelle image pour votre compagnie et vous, monsieur Ferguson. Ah oui, regardez, il a même décoré l'immeuble comme un gâteau d'un mariage. Racontez-nous,
Comment avez-vous eu cette idée d'apporter ce tribut appétissant à la famille américaine? Voilà. En fait, chez Ferguson, nous formons une grande et belle famille où tout le monde vit en pleine harmonie. Et je peux vous dire que j'y tiens beaucoup. C'est capital pour moi. Et moi, je suis les pieds-d'éclat, moi tout seul. Écoutez-moi tous. Étant donné que d'après vous, tout ceci est la faute de votre employé, il me paraît juste qu'il profite de l'énorme bonus que j'avais consenti à votre société au cas où vous arriveriez à terminer en temps voulu. Alors je vous laisse faire. Quoi? C'est d'accord, n'est-ce pas mon petit Gilles? Tu m'enlèves les mots de la bouche, ma petite caille. Oh chérie, tu as entendu la bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, ma chérie. J'aimerais bien pouvoir terminer la cérémonie, s'il vous plaît. Je vous déclare donc mari et femme. Oh. Et maintenant, vous pouvez embrasser la mariée. Oh, bien sûr. Pas me remarier un jeudi après-midi, ah non! Oh, bien sûr que non, mon chéri, parce que nous renouvellerons notre serment un vendredi après-midi. Quoi? Et ça dès vendredi prochain, allez, tiens! Ah, ben, je. Mais ma chérie, viens pas! Le chef Paul Rivard vous invite à voir la Fricassée sportive de 1995, demain à 21h. Après la pause, découvrez la vie des gens riches et célèbres.